okay and Then we, we will talk about law about rights of the nature rights and nature uh, yes uh, and i think olivier claire he comes from Louis, from the university of artois coming from us uh, this afternoon he will talk for an hour about his topic he will talk mostly in french with some summaries in english so it's like two advantages for you one is to practice french the second is learn about law and ecological issues so thank you very much Merci, beaucoup, Merci. Olivier. Donc je te laisse parole. Je à bonjour à tous uh, hello everyone uh, my name is olivier claire and i am professor of law at uh, of uh, at the university of uh, artois i work on the relationship uh, Uh, between ethics and law, and in particular on the ethical foundations of uh, environmental law. My work aims at uh, understanding the different currents of uh, nature ethics and their spiritual, philosophical, and scientific foundations. Nature, nature ethics is a young discipline, it's a discipline that examines the different uh, ethics that define the relationship. Between man and nature, the ethically acceptable relationship between man and nature. Four main currents can be uh, identified moral anthropocentrism, with, which only recognizes the value of man, patrocentrism, which gives a uh, higher value to living beings that feel pain biocentrisme, which affirms that all living beings must be considered morally, and finally, ecocentrisme, which affirms the intrinsic value of nature conceived as an holistic entity. The translation into law of the attribution of an intrinsic value to nature results in making it a subject of law. This is a subject ma matter. Uh, of this uh, seminar as you can hear <laughs> my English is not good uh, I apologize for that and I will present the seminar in French but I have prepared a PowerPoint uh, in English Alors. Voilà une très rapide présentation de, de ce que je vais vous, vous proposer d'étudier ce soir, avec donc, vous le voyez, une première partie qui est plutôt une partie qui porte sur la philosophie du droit, c'est-à-dire quelle est la philosophie derrière le droit de l'environnement, derrière la, la relation entre l'homme et la nature. Oui, c'est à toi, vas-y. Oui, alors, pardon. Donc, vous retrouvez le, euh, un, un plan en fait, de, de mon intervention euh, derrière moi sur, sur le PowerPoint. Donc, vous voyez une première partie euh, qui est plutôt, alors c'est du droit, mais c'est plutôt de la philosophie du droit, c'est-à-dire une discipline en droit qui, qui s'intéresse aux raisons éthiques pour lesquelles le législateur a été amené à adopter telle ou telle législation. Et euh, une deuxième partie, alors plutôt sur, euh, si vous voulez, euh, qu'est-ce que c'est ces droits de la nature euh, Et en droit, c'est vraiment une, une révolution. Hein, C'est-à-dire que, euh, je vais vous expliquer, euh, normalement, il n'y a que l'homme qui peut être un sujet de droit et toutes les autres choses sont des objets du droit, mais certainement pas des sujets. Et la nature, donc, fait partie normalement des... des euh, des objets, du, des objets du droit et non pas, et pas un sujet de droit. Euh, ah, d'accord. Alors, donc je voudrais commencer ce, ce séminaire avec une citation de Arnas, alors qui est un philosophe norvégien. Et voyez, en, en 1972, il, il avait donc indiqué, c'était une conférence à, à Bucarest, mais bon, peu importe, il avait indiqué que, euh, enfin, il avait dit écologiste, euh, encore un effort pour devenir anti-humaniste. Et alors, vous avez là euh, vraiment euh, tout l'objet de la deep écologie d'un côté et puis des droits de la nature de l'autre, puisque la deep écologie sert en réalité de fondement éthique et philosophique aux droits de la nature. Donc, dans cette phrase, vous avez un peu tout qui est, qui est résumé. Alors, Arnas, quand même, pour le, pour le situer, c'est donc un, un philosophe euh, norvégien qui a. Occupé la chaire de philosophie d'Oslo pendant, pendant extrêmement longtemps et qui est marqué, je ne sais pas si vous avez quelques notions de, de philosophie, mais qui est surtout marqué par Spinoza en termes de philosophie et également euh, par euh, la théorie de, de Gandhi sur les actions non violentes. Ouais, donc c'est quelqu'un, c'est un écologiste radical, mais en même temps qui est non violent. Parce que vous avez des courants écologistes qui peuvent être plus violents. Lui, il est vraiment sur quelque chose de, de non violent. Et donc, il a euh, petit à petit mis euh, en, en parenthèse sa carrière académique à l'université d'Oslo pour se consacrer à euh, la philosophie de, de l'écologie. Et alors, euh, Arnas, euh, on lui doit, euh, si vous voulez, une, une dichotomie entre ce qu'il appelle donc, la deep écologie et euh, la shallow écologie. Donc, en français, alors, pour le coup, l'anglais est beaucoup plus approprié, mais on parle d'écologie radicale et d'écologie. Euh, douce ou, ou peu, peu approfondie. Quoi. Alors qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut indiquer Il veut indiquer que euh, la protection de l'environnement telle qu'elle se fait aujourd'hui, elle est superficielle, shallow écologie. Elle est superficielle parce qu'elle se contente de lutter contre la pollution et l'épuisement des ressources, mais sans remettre en cause, sans remettre en cause les modes de vie actuels. Et donc lui, son idée, c'est d'aller vers la deep ecology, donc écologie, donc l'écologie profonde en français, c'est-à-dire qu'il faut changer le rapport de l'homme à la nature. C'est-à-dire, c'est pas uniquement essayer de lutter contre la pollution ou essayer de, à la marge d'agir sur, sur, sur ce qui pollue, sur ce que sont les sources de pollution, mais c'est vraiment de remettre en cause totalement en fait le rapport de l'homme à, à la nature. Euh, alors, si on peut changer de, de diapositive. Voilà, qu'est-ce que veut faire euh, Arnas avec, euh, avec la deep écologie Il veut donc dénoncer, je, je l'ai mis un peu euh, dans, la, dans la diapositive, dénoncer la logique anthropocentrique de euh, la protection de l'environnement. Dénoncer la logique anthropocentrique de. Euh, du droit de l'environnement euh, également. Et donc, il veut changer de, euh, de perspective éthique euh, pour euh, changer la relation entre l'homme et la nature et donc aboutir à une éthique qui est plus anthropocentrée, qui n'est pas centrée sur l'homme, mais qui est écocentrée et donc qui est centrée plutôt sur la nature et sur les écosystèmes. Vous voyez, donc c'est un renversement éthique euh, total. Alors après... Une précision encore, parce que Arnas, donc, il est associé évidemment à la dipécologie écologie, parce que le terme vient de la philosophie d'Arnas directement. Mais euh, la dipécologie écologie ne se résume pas aux travaux d'Arnas. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. La dipécologie écologie, c'est un mouvement qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus global que euh, que, que la philosophie d'Arnas. D'ailleurs, euh, Arnas, pour parler de sa philosophie, parle d'écosophité. Alors une écosophie, c'est pareil, c'est une philosophie, mais qui est écocentrée, donc c'est une écosophie, alors c'est les termes qu'il emploie, il parle d'écosophie T, pourquoi Parce que T, c'est Svergastein, euh, c'est-à-dire c'est le lieu où il a construit de ses mains une cabane en bois pour se réfugier et être euh, dans, la nature, euh, dans la nature sauvage. Donc, vous voyez, euh, euh, Arnas y compris. Au sein de la dipécologie, il y a son écosophité, qui est sa philosophie à lui, mais lui-même, qui, qui a inventé le terme, ne veut pas s'approprier la totalité du mouvement de, de la dipécologie. Alors ce mouvement est beaucoup plus, beaucoup plus je vous ai dit, large que la philosophie Darnas. C'est la diapo numéro 5. Voilà. Euh, c'est une, euh, je l'ai souligné, c'est une, une espèce de nébuleuse intellectuelle qui se réfère à énormément de, énormément de, de choses. Hein. Vous avez d'abord des sources qui sont des, des spiritualités. Hein, en fait. Donc l'animisme euh, fonctionne beaucoup. Le paganisme euh, également. Donc les anciennes religions euh, européennes, on peut dire. Le taoïsme. Et l'hindouisme sont des, des, des choses d'ailleurs sur lesquelles Arnas a beaucoup travaillé. Oui, Ce n'est pas, pas au hasard parce que euh, dans ses spiritualités, le rapport de l'homme à la nature n'est pas un rapport de domination, mais l'homme s'inscrit dans la nature. Il ne la domine pas, il s'inscrit dans la nature. Alors vous avez ça, vous avez également, c'est le, le troisième point, une philosophie qu'on peut appeler naturaliste, et ça c'est une philosophie européenne. Alors qu'il a toujours été euh, euh, marginalisé en Europe au profit d'une une autre philosophie, d'une philosophie idéaliste. Mais ici, c'est une philosophie naturaliste, donc plutôt euh, matérialiste. Je sais pas si vous connaissez ce genre de, de distinction, mais donc vous la retrouvez euh, notamment alors dans les travaux d'Héraclite, euh, vous les retrouvez chez Épicure, euh, chez vous la retrouvez euh, chez Spinoza, et donc vous la retrouvez chez Arnas, et Arnas, encore une fois, se réfère euh, explicitement hein, à la philosophie de, de Spinoza, notamment à, à son livre qui s'appelle Éthique, l'éthique de Spinoza, c'est vraiment la source euh, de référence d'Arnas de, euh, également. Et puis alors, vous avez également, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus contemporain, la deep écologie se réfère également aux sciences de la nature, c'est-à-dire à des disciplines de sciences dures, hein. l'écologie évidemment, mais également la physique, etc., qui semblent montrer, si vous voulez, que l'homme n'est pas en dehors du règne naturel. Mais l'homme fait partie du règne naturel, c'est-à-dire que euh, la philosophie idéaliste qui met en avant le propre de l'homme elle est largement démentie par les progrès de la science qui montrent que ben, l'homme c'est un mammifère parmi d'autres et que donc il est il, euh, c'est un, un être naturel et c'est pas un être hors de la nature vous voyez, comme on a pu le croire euh, jusqu'encore récemment. Voilà, alors la diapo numéro 6, Pardon, je suis désolé. Voilà, donc je voudrais vous, euh, alors très rapidement, parce que les thèses sont assez assez difficiles, mais très rapidement, euh, la deep écologie repose sur euh, deux thèses, deux grandes idées, deux grandes thèses. La première thèse, c'est ce que l'on appelle la thèse moniste, la thèse moniste, puisque la deep écologie affirme que toutes les entités naturelles forment un tout toutes les entités naturelles forment un tout et qu'il existe par conséquent une interdépendance il existe par conséquent une interdépendance entre les entités naturelles et surtout l'homme fait partie de ces entités naturelles Vous voyez il n'est pas encore une fois n'est pas un être hors nature c'est un être naturel ce qui est inscrit dans le règne dans le règne naturel donc ça c'est la première thèse, c'est ce qu'on appelle le monisme. Et puis vous avez une seconde thèse qui est la thèse de l'autoréalisation. Thèse de l'autoréalisation. Alors qui postule, qui postule que la nature poursuit une finalité immanente. La nature poursuit une finalité immanente. Cette finalité, c'est uniquement se réaliser. Vous voyez donc il n'y a pas besoin ici de de conscience, hein. c'est souvent le reproche que l'on peut faire à l'hypécologie, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de personnification de la nature. Vous voyez, c'est Dame Nature qui veut quelque chose. Non, hein. ici, évidemment, on est encore une fois avec des références qui sont des références scientifiques. Donc, nul ne dit que la nature a une volonté précise ou a une conscience. Mais la nature, c'est une espèce de, 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 de c'est l'ensemble des forces fondatrices qui créent vous voyez, les écosystèmes et qui créent les, les équilibres naturels qui sont eux-mêmes d'ailleurs évolutifs. Donc il n'y a pas de volonté ni de conscience, mais il y a une force qui crée, qui génère des choses sans s'arrêter. Donc c'est cette idée-là. Et alors euh, également, euh, de cette idée, euh, naît une autre idée qui est celle que la réalisation de l'homme, la réalisation de l'homme, en tant que partie du tout, est lié à la compréhension de la symbiose entre l'homme et la nature. Oui, donc, ça, c'est évidemment la grande thèse de la dipécologie qui conjugue un peu les deux premières. Donc, l'homme fait partie de la nature, thèse moniste, la nature a une finalité immanente qui est celle de se réaliser. Et l'homme, pour se réaliser spirituellement, comme il fait partie du tout, il doit aider à, euh, à la réalisation du tout. Vous voyez donc, il doit agir en harmonie avec les écosystèmes pour son bien propre. Voilà, dans une perspective vraiment euh, plus juridique, si on veut traduire juridiquement est, euh, cette éthique qui est, la, qui est la deep écologie, alors vous en arrivez à euh, faire de la nature euh, non plus un objet du droit, mais un sujet de droit. Non plus un objet du droit, mais un sujet de droit. Euh et les partisans de, de l'écologie radicale alors euh, critiquent le droit de l'environnement parce que le droit de l'environnement est construit sur une éthique qui est anthropocentrée, anthropocentrée et puisqu'elle est anthropocentrée elle euh, si vous voulez finit toujours par sacrifier la protection de la nature à des intérêts qui sont des intérêts économiques et financiers purement humains. Et donc ils disent qu'il faut transformer ce droit anthropocentré en droit écocentré et la façon de le faire, c'est de reconnaître, euh, si vous voulez, euh, la nature en tant que personne juridique. Euh, voilà Voilà l'idée. Donc je vais vous présenter dans mon intervention cette, euh, cette, cette révolution hein, qui est une révolution, vous voyez alors juridique, mais avant d'être une révolution juridique, c'est en, en réalité une révolution euh, éthique. Donc, Première partie, c'est la diapositive numéro 7, la première partie donc je vais vous présenter ici la, la redéfinition ontologique, redéfinition ontologique du rapport homme nature avec deux idées donc c'est A et B, deux idées. D'abord la dipécologie récuse donc l'anthropocentrisme moral. alors qu'elle appelle du coup un, un humanisme prométhéen, vous voyez parce que bon Arnaz, dans sa critique euh, écologiste, encore un effort pour devenir anti-humaniste. Bon, la dipécologie n'est pas totalement anti-humaniste, en réalité. Il critique un certain humanisme qu'il appelle également un humanisme prométhéen, c'est-à-dire vraiment un humanisme qui, euh, qui prône une espèce de domination de la nature, comme je vais vous, vous le montrer avec plusieurs, plusieurs exemples. Et donc, au contraire, évidemment, ça sera l'objet du grand B, au contraire, la dipécologie promeut un écocentrisme holiste donc au sein duquel l'homme appartient à la nature et euh, doit agir en harmonie avec la nature. Alors c'est la, la diapositive euh, suivante. Voilà, donc c'est le grand A. Alors bon, là c'est évidemment très rapide derrière moi, je vais quand même développer un peu, je, bon, le temps passe en même temps, mais... <laughs> un grand tas sur la dénonciation d'un autre anthropocentrisme, donc prométhéen, pour pas être, si vous voulez, trop violent avec l'humanisme et, et l'anthropocentrisme. Mais l'anthropocentrisme est la posture éthique euh, la plus répandue hein, en philosophie, et sa particularité réside dans le fait que seuls les humains euh, peuvent se voir reconnaître le statut de passion morale. Vous voyez donc seuls les humains peuvent être moralement pris en compte. Alors pourquoi Deux raisons. Hein. La première raison, alors ça peut être la thèse spéciste, c'est-à-dire que uniquement les êtres appartenant à l'espèce Homo sapiens ont une valeur morale. Ça peut être la première explication. Et alors, évidemment, ça paraît un peu arbitraire. Donc, comment cette explication, si vous voulez, ensuite peut se, peut se préciser Elle se précise par le fait que les hommes possèdent ou posséderaient des capacités cognitives supérieures à celles de tous les autres êtres vivants. Donc il y aurait un espèce de propre de l'homme. Alors c'est la diapositive suivante, d'ailleurs il y aura un espèce de propre de l'homme qui peut être recherché. Alors c'est souvent la raison, vous voyez on dit que l'homme est un être raisonnable par, définition, par, par opposition aux animaux, mais ça peut être également la conscience de soi, le langage, la culture la morale, ce, ce genre d'éléments. Et alors vous avez des, des évidemment, euh, euh, prises de position de, de Kant, notamment, et, et de Descartes, qui sont tout à fait, euh, si vous voulez, euh, illustratives. Hein, Kant dit que si, le, <laughs> si le, le mouton produit de la laine, c'est pour que l'homme se fasse des manteaux. Et donc il y a une valeur euh, totalement instrumentale du, du mouton. Alors, Le mouton, il est là uniquement pour produire de la laine, pour que l'homme puisse se faire des manteaux. Donc c'est vraiment... Euh, ce pas moi qui, qui le dis, c'est Kant lui-même. Hein. C'est une citation d'Emmanuel de, Kant, Kant lui-même. D'ailleurs, ce n'est pas forcément ce que pense Kant, hein, puisque c'est ici, c'est sur l'histoire de, de l'homme. Il dit que l'homme euh, s'est érigé lui-même en maître de la nature. Ce n'est pas forcément ce que Kant euh, euh, comment dire, recommande, mais c'est ce qu'il constate. Hein, c'est un constat. Et alors Vous avez la fameuse citation de Descartes. Alors bon, il faudrait ici modérer un peu le propos parce que Descartes, en fait, si on lit bien, c'est pas aussi c'est pas aussi radical. Mais donc, il dit bien que l'homme doit devenir maître et possesseur de, de la nature. Euh, voilà. Et alors, vous avez la diapositive suivante. Peut-être l'auteur le plus <laughs> le plus euh, comment dire illustratif de, de l'anthropocentrisme, c'est peut-être Bacon euh, avec euh, son, son ouvrage. Où lui alors lui il est vraiment très radical beaucoup plus radical que ne l'était que ne des cartes humaines voilà euh, la diapositive suivante euh, voilà pour vous dire que euh, cette posture de l'anthropocentrisme moral donc elle est contestée alors c'est encore une fois hein, c'est la posture sur laquelle repose encore la, la majorité des, des ouvrages philosophiques, hein, c'est-à-dire que l'homme est différent de la nature pour tout un tas de raisons, encore une fois qui, qui peuvent être très différentes. C'est soit c'est la raison, soit c'est le langage, soit c'est la conscience de soi, soit c'est la, la possibilité de se projeter dans l'avenir. Enfin, vous voyez, il y a toujours un propre de l'homme qui est recherché de, de temps en temps. Mais la dipécologie critique évidemment cette, cette posture de l'anthropocentrisme moral. Alors pour au moins deux raisons, pour au moins deux raisons. La première raison. C'est une critique de ce que l'on appelle le spécisme. Et donc, c'est la théorie antispéciste, théorie antispéciste. Alors, quelle est ici la, la critique C'est de dire que le spécisme peut être associé au racisme ou au sexisme, puisque ici, on considère un être uniquement... Et on le, considère, on le considère, moralement. On considère moralement un être uniquement parce qu'il est membre de l'espèce humaine. Il est membre d'une certaine espèce, donc il a une valeur morale. Donc ce qui est critiqué ici, c'est le caractère arbitraire. En fait. C'est-à-dire, c'est uniquement euh, la classification dans une certaine espèce. Et alors derrière, bon, il y aurait ici énormément de choses à, à dire. Vous avez un, un auteur comme Jared Diamond qui a écrit un livre qui s'appelle Le troisième chimpanzé où il montre bien que la classification a été faite pour isoler l'homme des grands singes, justement, et notamment du chimpanzé. Hein, que le chimpanzé est plus proche de l'homme qu'il ne l'est du gorille. Or, il a été rapproché dans les classifications du gorille pour être écarté de l'homme, justement, de façon, dis Jared Diamond, purement artificielle. Donc vous avez ça, puis alors vous avez ensuite une seconde... Une seconde opposition, je dirais, qui est, qui est égal, que l'on trouve également, qui est la question des cas limites. la question des cas limites, Alors pourquoi? parce que si vous faites reposer, si vous faites reposer le, le fait d'être considéré moralement sur euh, euh, être possesseur de la raison ou, ou de la conscience, ça veut dire, à contrario, que tous les êtres humains qui n'ont pas de capacité euh, de raison ou qui n'ont pas de conscience parce qu'ils souffrent d'un grave handicap ou qu'ils sont comateux, alors ils perdent toute considération morale. Vous, voyez Vous trouvez ça, notamment chez un philosophe euh, australien. Alors, <laughs> attention ici au, au contresens. Il, ne, il critique, lui, hein, donc il ne dit absolument pas qu'un être humain dans un état comateux ne doit pas être considéré moralement. C'est l'inverse exact qu'il dit. Il dit que, plutôt que ce n'est pas un bon critère. Ce n'est pas le critère exact. Bien sûr, dit-il, que les êtres humains qui souffrent d'un grave handicap ou qui sont comateux ou un bébé doivent être considérés moralement. C'est juste Il critique le critère. Il critique pas le fait de, de, de considérer moralement ces, ces êtres-là. Donc ça, c'est le premier cas. Le premier cas limite. Et puis, alors, le deuxième cas limite, bah, euh, il euh, relève des, des études d'éthologie. Donc, l'éthologie, c'est l'étude des comportements des, des animaux, qui démontre que les compétences cognitives des animaux sont beaucoup plus étendues euh, qu'on ne le soupçonnait encore récemment. Et alors, notamment, vous savez, vous avez tout ce qui est conscience de soi, on sait très bien que plusieurs animaux sont, ont une conscience d'eux-mêmes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça à la télévision, il y a le test de la croix blanche sur l'éléphant notamment. C'est-à-dire, si vous peignez une croix blanche sur le front d'un éléphant, vous lui montrez ensuite son visage dans la, enfin, oui, son visage dans la glace avec sa trompe qui va essayer d'effacer la croix blanche. Donc ça veut dire qu'il se reconnaît dans le miroir. Donc, ça veut dire qu'il a conscience de, de lui-même. Et alors, ce test, apparemment, euh, marche aussi chez, chez certains grands singes, pas tous les grands singes, mais chez certains grands singes, chez l'éléphant et chez le dauphin aussi. Vous voyez donc, ces animaux ont conscience d'eux-mêmes. Et alors, vous avez tout un tas d'ouvrages de, 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 d'éthologie qui montrent évidemment qu'ils ont aussi euh, des relations sociales, ils ont aussi une certaine histoire qu'ils prennent en compte, ils ont aussi des processus d'apprentissage. Vous voyez donc. Y a pas, que, que montrent en fait ces études Qu'il n'y a pas une différence de nature entre l'homme et, et l'animal, mais qu'il y a une différence de degré qui peut être très importante. Hein, en revanche, une différence de degré très importante, mais qu'il n'y a pas de différence de nature. C'est-à-dire que l'homme est plus évolué, mais dans le même registre, si vous voulez, que, que les animaux. Voilà. Alors, Euh, J'en arrive à mon, à mon grand b. Je, je passe un peu sur quelques éléments pour qu'on puisse discuter ensuite avec donc la, la promotion d'un écocentrisme holiste. La promotion d'un écocentrisme holiste. Alors ici donc je, je vous l'ai dit, hein, la deep écologie propose une vision du monde qui est radicalement différente euh, de celle qui s'est euh, imposée avec euh, la philosophie moderne et qui, vise à, à, qui visait à faire de, de l'homme un, un être anaturel, donc un être qui doit lutter contre la nature pour s'extirper de sa condition naturelle. Ici, c'est exactement euh, l'inverse. Alors, il y a la diapo euh, euh, 13 qui, euh, euh, qui fait le, le point sur, euh, sur, ces, euh, sur les deux thèses de, de l'écologie euh, profonde. Donc, qu'est-ce que c'est? on a d'abord une ontologie du devenir, une ontologie du devenir qui conduit à dire que la nature doit être appréhendée comme un processus dynamique et permanent, un processus dynamique et permanent de production et de destruction. et alors, cette thèse bon, qu'il faudrait évidemment développer, mais cette thèse, elle est décisive parce qu'elle revient à conférer à la nature une finalité immanente. Donc la nature est une fin en soi, vous voyez, elle poursuit un objectif, alors elle le poursuit encore une fois sans volonté et sans conscience. Ce n'est pas un processus conscient ou volontaire, mais c'est un processus de création et de destruction qui est permanent. Et puisqu'elle est une fin en soi, alors elle, euh, si vous voulez, a une valeur intrinsèque. Et alors, avoir une valeur intrinsèque, c'est quelque chose qui est déterminant en philosophie éthique, parce que si vous, êtes, si vous avez une valeur intrinsèque, vous êtes un sujet, vous n'êtes pas un objet. Donc ça, c'est la, la première thèse. Et puis, alors, vous avez une deuxième thèse, qui est cette, euh, cette ontologie moniste, ontologie moniste, qui affirme alors l'unicité, qui affirme l'unicité fondamentale du cosmos. Et alors, cette thèse, elle relève encore une fois d'une philosophie naturaliste selon laquelle, si vous voulez, la réalité ultime n'est que, que d'une substance unique et indivisible et infinie, et que donc, si vous voulez, l'homme, évidemment, fait partie d'un grand tout. L'homme fait partie d'un grand tout. L'homme ne peut pas être séparé d'un grand tout. Et donc, l'épanouissement de l'homme, l'épanouissement de l'homme, résulte du lien qui l'unit à la nature et son épanouissement dépend de l'épanouissement du tout, Vous voyez puisque l'homme fait partie d'un grand tout. Alors l'homme doit comprendre en fait ce, 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 le fait qu'il n'est pas différent de l'arbre ou qu'il n'est pas différent de, de l'animal. C'est une espèce démanation différente du tout. Et pour se réaliser alors il doit veiller à l'épanouissement du tout. Alors, c'est exactement la philosophie taoïste hein, ici que, que l'on retrouve. Euh, voilà, je suis peut-être allé un peu vite. Il y a, il y a le diapo numéro 14 euh, qui était… Euh... Ah voilà, oui, un exemple de, de spiritualité, pour le coup, un exemple de spiritualité qui… qui... Qui convient parfaitement à la dipécologie, donc c'est la réponse du chef Sioux Seattle au gouverneur du, du Dakota qui voulait acheter les terres de sa tribu. Et, et donc le, le chef Sioux en fait ne comprenait pas que euh, le gouverneur du Dakota veuille acheter quelque chose qui n'appartient à personne. Vous voyez, et donc dans sa réponse, il dit que c'est pas la terre qui appartient à sa tribu, mais c'est sa tribu qui appartient à la terre. Vous voyez donc, c'est un, un je... C'est un exemple que, que l'on donne souvent en, en éthique de l'environnement, parce que vous avez une incompréhension totale, si vous voulez, entre le gouverneur du, du Dakota, qui veut acheter un bout de, de terrain, et le chef, euh, le chef Sioux, donc, qui s'appelait Seattle, qui ne qui comprend pas en fait qu'on euh, on veuille acheter quelque chose que, qui ne lui appartient pas, vous voyez, puisque c'est l'homme qui appartient à la Terre et ce n'est pas, pas du tout l'inverse. Et donc, vous avez cette longue citation. Du CF sous qui, qui résume un peu ce que, ce que je viens de vous dire. Alors, ici, c'est une spiritualité, évidemment, il y, y a des aspects qui sont euh, parfaitement critiquables, mais enfin, vous voyez, c'est le mode de pensée des Sioux. C'est ça qui est intéressant, en revanche. Et voilà, peut-être avancer sur les diapos parce que je suis, un peu, je suis un peu perdu. Alors, oui, voilà, vous avez sur l'ontologie du devenir, vous avez, alors, en dehors du CF sous vous voyez, vous avez des, des exemples dans la philosophie européenne. Alors, ce sont des auteurs euh, qui ont été encore une fois marginalisé hein, par un courant hein, qui est un courant plus majoritaire mais vous avez donc Héraclite Héraclite pardon, Lucrèce et vous avez donc beaucoup euh, Spinoza euh, euh, qui euh, donc euh, démontre que euh, c'est un vous voyez, dans la dernière, la dernière citation dans sa lettre il critique euh, la physique cartésienne voyez, en disant qu'elle est absurde <laughs> qu'elle est absurde c'est à dire que vous ne pouvez pas comme ça, euh, euh, faire de, de la nature une espèce de, de substance inerte, que ce n'est pas ça, que c'est absurde ce que dit, ce que dit Descartes. Euh, voilà, et puis alors peut-être encore avancer un, un peu voilà, sur le monisme, donc vous avez d'autres euh, citations, alors vous retrouvez les mêmes auteurs, hein, Héraclite, euh, oui, qui vous dit que tout est, tout est la même chose, en fait, mais que évidemment ce sont des... des euh, des dispositions différentes. Lucrèce, euh, la même chose, c'est-à-dire que tout est en fait des, des atomes et que ces atomes sont assemblés différemment. Donc s'ils sont assemblés d'une certaine façon, enfin, alors c'est de la, la physique évidemment de... antique, hein, s'ils <laughs> sont assemblés d'une certaine façon, ça fait un arbre, ils sont assemblés d'une autre façon, ça fait un éléphant, ils sont assemblés d'une autre façon, ça fait un homme. Mais que les, les atomes, en fait, c'est la, la substance. Euh, la, la, la brique, euh, la brique ultime. Et puis vous avez également euh, Spinoza. Alors il y a la fameuse citation que j'ai mise euh, tout à la fin que l'homme n'est pas un empire dans un empire. Citation très connue de, de Spinoza pour dire qu'il n'y a pas donc euh, le monde naturel et puis l'homme qui est un autre monde. Non, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Il fait partie évidemment de, il fait partie de la nature. Peut-être encore la... Euh, la... Euh... Oui, alors bon, tout ça, ce sont d'autres euh... D'autres exemples, alors vous avez aussi, vous voyez, le, la fameuse citation de Spinoza, hein, c'est un auteur qui revient beaucoup, euh, Deus siwe natura, donc euh, Dieu ou la nature, alors ça lui a valu euh, énormément de problèmes <laughs> à l'époque, mais donc il associe Dieu à la nature, c'est-à-dire que cette espèce de force créatrice, il ne faut pas la chercher dans un être qui est extérieur au monde, c'est la nature elle-même, en fait, Dieu. Euh, bon, alors du coup, il a été... Alors, il était, Juif, il n'était pas chrétien, mais il a fait l'objet d'une espèce d'excommunication. Bon, enfin, L'excommunication, ce n'est pas le terme qui est approprié pour, pour les juifs, mais ça revient exactement, exactement au même. Il a été mis au banc de, de la société. Et vous avez Rousseau aussi, alors pas, pas dans tous ses ouvrages, mais dans Les rêveries d'un promeneur solitaire, donc c'est une de ses dernières œuvres. Vous avez aussi, vous voyez, qui s'identifie avec la nature entière. Ouais, je m'identifier avec la nature entière, c'est dans, dans Les rêveries d'un promeneur solitaire. Vous avez bien sûr, bien sûr Héraclite. Euh... Voilà, alors peut-être la diapositive suivante. Ah oui, alors ça c'est Arnas. Bon, c'est toujours, toujours la même idée. J'ai mis beaucoup de diapositives pour vous montrer quelques exemples. Alors c'est beaucoup. Pourquoi C'est bien parce que Spinoza, c'est très bien, mais Spinoza, c'est daté et on ne peut pas faire de, de Spinoza un écologiste avant l'heure. Hein. Il, faut, il faut, remettre les choses à leur place. Arnas, en revanche, oui, hein, c'est une autorité philosophique très, très, très importante. Et donc bon, vous pouvez lire le. le le petit extrait derrière moi. Et bon, vous voyez que ça reprend quand même énormément de, de choses que l'on trouve dans, dans des spiritualités et, et dans la philosophie naturaliste. Alors peut-être la, la... Oui, voilà, la diapositive suivante est, est intéressante puisque, je vous l'ai dit, la, la deep écologie, vous avez bon un courant spirituel, vous avez un courant philosophique et puis alors vous avez un courant scientifique qui est extrêmement fort. Hein, et, et donc la deep écologie se si vous voulez, se fonde sur vraiment la, la science, et une science alors qui décrit la, la nature comme un ensemble de forces et de lois, un ensemble de forces et de lois qui produisent l'univers, qui animent les écosystèmes, qui génèrent des phénomènes écologiques, et qui en définitive, vous voyez, interagissent pour former un tout qui a euh, sa cohérence propre, et qui donc manifeste une sorte de, de, de finalité. Alors ici encore, il faut bien insister, c'est une finalité immanente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience, évidemment. Il n'y a pas d'âme nature avec une conscience et une volonté. Hein. Tout ça est évidemment non conscient. C'est une finalité immanente. Mais donc, la nature, si on prend ce courant scientifique, est bien une fin en soi et donc possède une valeur intrinsèque. C'est ça, est, est ça qui est très important. Alors, quelques mots en anglais avec euh, mon mauvais accent euh, pour vous dire que euh, to, to sum up in English, this first part, i would say that deep ecology denounces an uh, anthropocentric and uh, instrumental conception of nature, aiming at uh, establishing a separation between man and nature by underlying the falsity of the criteria, moral criteria, cognitive criteria, on which this separation is founded. and uh, uh, deep ecology denounces uh, To the incoherence of the argument of moral anthropocentrism. On the contrary, deep ecology affirms the intrinsic value of nature because it manifests an immanent uh, finality. Nature is bearer of a value independent of any other end um, or of an end motivated by human interest. And for deep ecology, the concept of intrinsic value. Is indispensable to elaborate a meaningful ethic of nature. Voilà, alors peut-être la diapo, la diapo 20, T1, voilà, c'est celle-là, parfait. Euh, alors, voyez, je vous ai fait un, un petit schéma pour vous, pour vous montrer qu'il y, y a deux façons donc, de. De déterminer la, la valeur de la nature. Soit c'est une valeur relationnelle, soit c'est une valeur relationnelle, et alors on est dans l'anthropocentrisme moral, c'est-à-dire que la nature a la valeur que l'homme va lui attribuer. La nature a la valeur que l'homme va lui attribuer. Alors cette valeur, elle peut être instrumentale, elle peut être instrumentale, donc la nature est un moyen pour l'homme d'atteindre une certaine fin. Voyez, je veux construire une maison en bois, donc l'arbre, c'est un moyen pour construire ma maison en bois. Mais. Alors, il ne faut pas non plus caricaturer le, le propos et caricaturer l'anthropocentrisme moral. La valeur, elle peut, la valeur relationnelle, elle peut être instrumentale, mais elle peut également être inhérente. Et alors là, la nature est porteuse de la propriété que les êtres humains lui attribuent. Mais cette valeur peut être, euh, cette valeur peut être si vous voulez, très forte. Ça peut être une valeur esthétique. Vous voyez, si vous trouvez euh, que tel arbre est extrêmement beau, ben vous n'allez pas le couper. Voyez vous ne reconnaissez pas la valeur intrinsèque de l'arbre. Mais l'arbre, vous le trouvez beau. Donc, vous n'allez pas le couper. Vous pouvez avoir une valeur affective. Alors, ça, c'est souvent avec les animaux. Votre chien, vous le considérez moralement bien parce que c'est votre chien. Après, un autre animal quelconque, bon. Le renard, lui, c'est une espèce nuisible. Il y a le chien qui est une gentille espèce, et puis vous avez le méchant renard qui est une espèce nuisible, nuisible aux intérêts humains. D'ailleurs, on le voit bien, nuisible par rapport à quoi Par rapport aux intérêts humains. Et vous pouvez même avoir alors, une valeur morale. Vous voyez, chez Kant, notamment, c'est pour ça que euh, Kant je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas forcément ce qu'il pensait, euh, Kant il dit qu'on doit traiter moralement euh, les animaux parce que l'homme a le devoir moral, le devoir moral de l'homme de traiter correctement les animaux. Mais c'est un devoir que l'homme s'impose à lui-même, si vous voulez. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de justification pour maltraiter les, les animaux. Mais est un, ce, qui est ce qui est important ici, c'est que la valeur, elle est attribuée l'entité naturelle par l'homme alors que euh, voyez euh, donc ça c'est ce qui est en orange en vert vous avez la valeur intrinsèque alors dans la valeur intrinsèque la nature est une fin en soi est une fin en soi et donc elle est euh, valorisée pour elle-même oui c'est tu c'est pas l'homme qui lui attribue une valeur il va reconnaître objectivement il va reconnaître objectivement que la nature est porteuse et euh, porteuse d'une valeur et alors pourquoi Parce que notamment, elle manifeste une sorte de finalité, vous voyez, en créant, en générant des choses, elle manifeste une sorte de finalité, et elle crée aussi, elle génère les équilibres évolutifs de la nature. Donc il faut la laisser faire son, son processus, il faut laisser faire les processus naturels qui sont porteurs d'une euh, finalité immanente et porteurs d'équilibre des écosystèmes. Voilà, au plan, au plan éthique, cette thèse justifie euh, le devoir pour l'homme de, de, de restreindre au, au maximum son impact sur la nature et également l'utilité pour l'homme hein, de, de restreindre son impact sur la nature parce que euh, s'il détruit la nature, il se détruit lui-même, en réalité, dans le cadre de la dipécologie. Mais peut-être la, la diapo 22. Oui, voilà, je voulais également vous dire ça comme je n'ai plus les, les diapos. Mais là, voilà. vous avez la valeur relationnelle. Et alors, la valeur intrinsèque, c'est un peu plus compliqué que, que ce que je vous ai présenté parce que la valeur intrinsèque, normalement, en philosophie, c'est une valeur au sens pratique du terme. Je ne sais pas si j'ai bien tra traduit d'ailleurs, mais une valeur au sens, une finalité au sens pratique du terme, c'est euh, notamment, vous euh, voyez, le les stratégies vitales des, des animaux et des plantes. Vous voyez, on peut se dire que tel animal, il veut rester en vie, donc vous voyez, il poursuit une espèce de finalité qui est le fait de, de vouloir persévérer dans son être, dirait Spinoza. Vous voyez, persévérer dans son être, ça c'est une fin. Que l'on peut reconnaître chez l'animal de façon objective. Vous voyez, il ne veut pas mourir l'animal, donc il a bien une finalité qui est celle de, de... Il poursuit une finalité qui est celle de rester en vie. Donc ça, c'est au sens, si vous voulez, classique, au sens pratique. Mais dans la deep écologie, évidemment, c'est plutôt la finalité au sens fonctionnel du terme, la finalité au sens fonctionnel du terme, parce qu'un écosystème. Il ne poursuit pas une finalité au sens pratique du terme. Vous voyez, ça marche pour les animaux, ça peut marcher pour les plantes, ça marche très bien pour les hommes, cette histoire de persévérer dans son être, mais un, un écosystème, il ne cherche pas à persévérer dans son être. Hein. Ça, Ou alors là, on n'est plus du tout dans la science et, et, et dans des choses objectives, hein, si, si on dit ça. Et donc, pour les, pour les écologistes de, de la dipécologie, c'est la finalité au sens fonctionnel du terme. Au sens fonctionnel du terme, c'est-à-dire que... L'écosystème est porteur de forces fondatrices, de forces fondatrices qui génèrent les équilibres de la nature. Voyez Donc, si vous voulez, il est porteur euh, de forces qui sont, qui sont bénéfiques. Voyez ça, vous pouvez, ça, l'homme peut l'observer objectivement, voyez sans dire que euh, c'est joli ou sans dire que euh, ça doit être respecté moralement. Non, ça peut être euh, considéré objectivement. Voyez objectivement, euh, on, on trouve ça. Voilà, j'en arrive à la diapo 24. Vous avez une question Oui, j'arrive au grand 2. donc Oui, oui, oui c'est une critique entre la valeur subjective et la valeur objective. Bon, mais mais c'est des, des considérations qui sont extrêmement difficiles, hein, je ne vous le cache pas. Euh, vous pouvez dire ça, oui, que l'homme est, est le seul porteur de valeur et que donc il n'existe pas de valeur sans l'homme. Mais c'est une position qui, est, qui se défend, d'abord, une. Et qui est euh, dans le courant anthropocentré, du coup. Hein, oui, mais vous avez, encore une fois, une majorité de, de, des ouvrages philosophiques qui, qui disent ça. Hein, mais vous avez, d'autre part, des gens qui disent qu'objectivement, objectivement, on peut dire que euh, euh, le chat est porteur d'une valeur parce que c'est une fin en soi, parce que même chez les, euh, chez les philosophes euh, qui, qui, sont, euh, euh, qui font partie du, du courant de l'anthropocentrisme moral, Kant être une fin en soi, c'est son critère, hein. c'est un critère de ça qu'ancien. Hein. C'est-à-dire pour avoir une valeur intrinsèque, il faut être une fin en soi. Ça, ça c'est commun pour tout. Après, est-ce que seul l'homme est une fin en soi ou est-ce que d'autres euh, êtres vivants, voire les écosystèmes, peuvent être une fin en soi C'est tout l'objet du, du débat. Hein, mais je intérieure la construction sociale du coup si du max de place à c'est quoi ici quand ce définition c'était une valeur une enfin si en soi c'est pas la ce définition la valeur c'est le contenu qu'est-ce qui donne la valeur à quelque chose on dit que c'est pas la définition mais <coughs> pour la dipécologie si après euh, évidemment c'est c'est tout l'objet du débat encore une fois si vous voulez ce qui est porteur d'une valeur c'est ce qui est une fin en soi vous voyez je, je peux vous dire là ben oui, mais. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose a une valeur. C'est pas. Ce que je propose, c'est qu'on la reprenne, on finit, et on la reprend parce que je reviens. Oui, oui, mais c'est. Euh... C est, c est, on ne va pas résoudre ça ce soir, hein, je vous l'ai dit. Mais c'est une très très bonne question et c'est une très très bonne, évidemment, euh, contradiction au test de, de, de ce qu'on appelle donc la valeur objective, hein, valeur subjective, valeur objective. Vous, vous critiquez le fait que qu'objectivement, on peut, on peut reconnaître une valeur, mais ça se tient tout à fait. Hein. Encore une fois, moi, moi, je pense que les deux se tiennent. Hein, les théories de l'anthropocentrisme moral se tiennent, évidemment, évidemment. mais les théories de l'écocentrisme aussi se, se tiennent. Et alors, dans ce cadre-là, évidemment, la, va la valeur ne peut être qu'objective, c'est-à-dire pas dépendante de l'homme, justement. Alors, euh, j'en arrive donc à, à mon grand deux sur la refondation du, du droit de l'environnement. Refondation du droit de l'environnement et... Alors ici, euh, au sein de la, de la deep écologie, vous avez vous voyez, un courant qui est un courant euh, philosophique, vous avez un courant qui est un courant euh, scientifique et vous avez aussi, un, un, aussi d'ailleurs un courant euh, qui fait plutôt de, de l'ethnologie ou de, de l'anthropologie anthropolo, avec l'étude des, des peuples premiers, vous voyez, l'étude des peuples premiers, les trucs des populations autochtones qui ont des... Qui ont des visions du monde qui sont différentes de, de celles de, de, de la philosophie moderne. Et alors, vous avez également un courant juridique qui a cherché à traduire en droit, alors l'axiome selon lequel justement la nature est dotée de cette valeur intrinsèque. C'est vraiment le cœur du, du de la discussion sur la deep écologie et sur les droits de la nature. Euh, et alors. Ce courant juridique, il appréhende le droit comme étant une, une construction sociale, pour le coup. Le droit est une construction sociale qui, donc, doit s'adapter à de nouvelles réalités. Et donc, la nature, dans ce cadre-là, ne peut plus être, comme dans la chalot écologie un objet de droit, mais doit être érisée en sujet de droit. Donc, ici, deux, deux points. D'abord, la dénonciation de la chalot écologie et puis, ensuite, la consécration de la nature. Sujet de droit. Alors la, la diapositive suivante, euh, merci. Voilà, donc la, la dénonciation de, de la chaloïcologie. Alors je ne vais pas évidemment rentrer trop en avant dans, le, dans, dans des propos juridiques, mais uniquement pour, pour vous indiquer que euh, la, le, droit occidental, le droit occidental est évidemment construit autour d'une logique anthropocentrée. Euh, des rapports entre l'homme et la nature. Et alors on en revient encore à, à Kant une nouvelle fois. La philosophie ancienne ne reconnaît de dignité qu'à l'être humain. Et alors ensuite, ça c'est plutôt chez Descartes. Le droit donc va séparer strictement les objets et les sujets. Et les sujets, ce sont uniquement les êtres humains parce qu'ils ont une dignité. Et tout le reste, ce sont des objets de droit qui sont euh, du coup euh, régis régi, par le droit de propriété. Vous voyez Et alors, euh, vous allez trouver ça très étrange, mais dans le code civil euh, français, donc vous avez euh, 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 les personnes physiques qui sont les êtres humains, et vous avez ensuite les meubles, et notamment un chien, euh, un chat, c'est un meuble. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de, de différence entre. Le bureau, juridiquement, et le chat. Vous voyez, ce sont deux meubles. Vous avez deux meubles et l'homme est une personne physique. Alors, après, le code civil a été quand même amendé assez récemment pour faire, euh, tenez-vous bien, pour faire de l'animal un être sensible qui est régi par le droit des biens. C'est-à-dire qu'on euh, reste sur le, sur le droit des biens tel qu'il était, mais on dit quand même que ce n'est pas un meuble, mais que c'est un être doté de sensibilité. Mais le régime juridique, reste celui du meuble. Vous donc, vous avez quelque chose ici d'extrêmement, de, de, si vous voulez, marqué. Et alors, la propriété en droit, la propriété en droit, elle, elle a eu, alors historiquement, là aussi, bon, je, je vais assez vite, mais elle a eu historiquement, si vous voulez, une forme absolue et exclusive à travers ce que l'on appelle l'usus, le fructus et l'abusus, c'est-à-dire vous pouvez donc utiliser la chose vous pouvez faire fructifier la, la chose et vous pouvez même, si vous voulez, détruire la chose, puisque c'est votre propriété, voyez, sans aucune limite. Hein. Le droit de propriété, vous voyez, il est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme étant un droit naturel et sacré de, de l'homme. Donc, une fois que c'est votre propriété, vous faites absolument ce que vous voulez. Alors, au départ, hein, ça a été évidemment modéré, modéré par la suite. Modéré par la suite, puisque vous avez aujourd'hui des législations, notamment les législations environnementales, évidemment, qui vont, limiter, qui vont limiter ce caractère absolu de la propriété. Mais un examen de ces limitations montre que les limitations se font toujours en fonction d'intérêts qui sont des intérêts humains. C'est-à-dire par rapport à la chose elle-même, il n'y a souvent aucune limite. Voyez Et notamment. Euh, alors vous avez, le... bon, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais les premières législations en France de protection euh, euh, des animaux, c'était le fait d'interdire de maltraiter un animal en public. Vous voyez, interdiction de maltraiter un animal en public. Ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il n'y a pas de public, vous pouvez maltraiter l'animal qui vous appartient. Mais s'il y a du public, vous pouvez choquer les gens et donc vous pouvez pas maltraiter l'animal. Mais voyez, ce n'est pas l'animal qui est protégé, du coup. <laughs> on, espère, on on protège la, le public, en fait, qui peut être choqué par les scènes de violence sur l'animal. Mais c'est bien précisé, c'est-à-dire euh, la maltraitance publique. Et alors c'est pareil, hein, si, vous tuez, euh, euh, si vous tuez une vache, qu'est-ce qu'on va On va dédommager, en fait, le propriétaire de la vache, voyez mais c'est pas la vache elle-même. Enfin, maintenant, il y a quand même les actes de cruauté qui sont tout ça a évolué évidemment. Mais au, au départ, on, on, on protégeait la propriété en fait, la vache parce que c'est la propriété du, du fermier. Et donc, on va dédommager le fermier si vous tuez la vache. Ou on va vous punir parce que vous avez porté atteinte à la propriété du fermier, mais pas vous punir parce que vous avez porté atteinte à la vache elle-même. D'ailleurs, si vous tuez une mouche, il va rien vous arriver, vous voyez. Parce qu'elle appartient à personne, la mouche. Donc en fait, vous faites, vous créez pas de, de préjudice. Voilà. Euh, euh... bon, la diapo, la diapositive suivante. <laughs> ouais, mais là, là, rien n'est prévu. <laughs> ah oui, mais c'était les animaux domestiques. En fait, c'est toujours les animaux domestiques qui sont protégés. Les animaux, ça, c'est aussi très intéressant. Les animaux sauvages sont beaucoup moins protégés que les animaux domestiques. Les animaux domestiques sont plus protégés parce que justement, ce sont des objets de propriété, en réalité. Euh... Oui, alors voilà, ce que, ce que je voulais dire, c'est que là aussi, il ne faut pas, évidemment, entrer dans la caricature de, de l'anthropocentrisme moral. Hein. Vous pouvez avoir une position anthropocentrée, et cette position n'exclut pas que l'homme, alors pour son propre bien, pour son propre épanouissement, protège. La nature et la biodiversité, vous voyez, c'est pas forcément contradictoire. C'est-à-dire, vous n'avez pas les méchants <laughs> tenants de l'anthropocentrisme moral et les gentils tenants de l'écocentrisme. Non, hein c'est-à-dire, vous pouvez être avoir une position anthropocentrée, donc par exemple, comme dit votre votre camarade, il n'y a pas de valeur en, de, en dehors de l'homme. C'est une position anthropocentrée qui se tient d'ailleurs, et, et dire que pour le bien de l'homme, il ne faut pas polluer. Vous voyez, et alors. Euh, si vous polluez, vous allez donner une amende, Alors, je dis n'importe quoi, voyez, 5 000 euros si vous euh, jetez un papier par terre. Bon. C'est complètement anthropocentré, mais ça peut protéger correctement euh, la nature et les écosystèmes. Donc ça peut être anthropocentré, mais ça peut être euh, euh, efficace. Alors, vous avez les, les deux grands principes hein, d'ailleurs du, du droit de l'environnement c'est euh, le droit de l'homme de vivre dans un environnement sain. C'est ça que vous trouvez dans la Constitution française. C'est le droit de l'homme de vivre dans un environnement sain. Donc, si vous voulez, c'est euh... un droit humain, en fait. C'est le droit de l'homme de vivre dans un environnement sain. Pour que l'homme vive bien, il faut que l'environnement soit sain. Mais c'est le droit de l'homme de vivre dans un environnement sain. Donc, on protège, encore une fois, le droit de l'homme de vivre dans un environnement sain. Donc, l'environnement, ici, n'est qu'accessoire, en fait, par rapport au bien. Qui est le bien de l'homme. Et l'autre grand principe, c'est le principe du développement durable. Donc là, c'est pareil. Hein, -à -dire euh, il faut se développer euh, économiquement, mais il ne faut pas porter trop atteinte aux écosystèmes, sinon, on va évidemment euh, détruire les ressources et on n'aura plus de ressources. Vous voyez Donc le développement durable, c'est <laughs> encore une fois totalement anthropocentré, mais ça peut fonctionner. Hein, si vous dites, euh, vous voyez, on va. On va rationner l'utilisation de, des, des ressources naturelles par l'homme, vous pouvez protéger ces ressources naturelles. Mais vous voyez, c'est des ressources naturelles. Encore une fois, les termes sont, sont, sont parlants. C'est des ressources, donc c'est des choses. En fait. euh, voilà. Et donc, sur ces bases, alors, le droit de l'environnement a évolué vers une plus grande protection des entités naturelles, à, donc à travers des, des concepts différents le préjudice écologique, le bien-être animal, la protection des espèces menacées. Tout ça existe avec le droit à l'environnement tel, tel qu'il apparaît. Mais les partisans de, de la deep écologie expliquent que, malgré ces avancées, avancées qui sont réelles, le droit de l'environnement ne reconnaît qu'une valeur relationnelle à la nature. Et que ce type de valeur souffre en philosophie éthique d'une immense faiblesse. Ce type de valeur souffre en philosophie éthique d'une immense faiblesse. La nature n'a de valeur que celle que les hommes lui accordent. Et par conséquent, par conséquent, la nature peut perdre toute valeur dès lors que la relation homme-nature évolue. Alors, vous avez une citation, c'est la diapositive suivante une citation de Holmes Roston III, qui met. Bon, très simplement, évidemment, qui met très simplement en exergue cette, cette espèce de, de faiblesse éthique de l'argument anthropocentré. Vous voyez, il vous dit, que se passerait-il si les hommes cessaient de trouver que la nature est belle C'est-à-dire, vous pouvez reconnaître une valeur inhérente à la nature, alors une valeur esthétique ici, donc vous allez protéger, je ne sais pas moi, quel, quel type d'écosystème, euh, parce que euh, vous le trouvez particulièrement magnifique, mais c'est proprement, si vous voulez, une projection d'une valeur humaine sur une entité naturelle. Si demain, vous trouvez ça moche, du coup, vous allez pouvoir construire un parking à la place, vous voyez, parce que la valeur esthétique, elle, elle a disparu. Et alors, vous avez aussi tout un tas d'interrogations, de, de, avec le progrès des sciences, évidemment. Vous voyez, on, on protège là le, le, le changement climatique. Mais si on trouve une solution technologique, par exemple, au, au, changement, au changement climatique, alors on va pouvoir, si vous voulez, continuer à, à, à produire du carbone parce qu'on va arriver, si vous voulez, à, à, à le traiter d'une façon ou d'une autre avec une nouvelle technologie. Vous voyez et donc, ça montre bien que, euh, euh, que c'est propre, purement humain et que donc, c'est euh, comment dire, c'est extrêmement précaire. Voilà. Ils mettent en avant la précarité de la valeur qui, a, qui est reconnue à la nature. Et alors, la diapositive suivante. Euh, oui, alors bon, elle est très simple, mais donc la grande critique, c'est de dire qu'évidemment, on va chercher à articuler les préoccupations environnementales avec des préoccupations qui sont purement humaines, alors qu'ils sont ici illustrés par des billets, donc bon, pour vous dire, c'est des intérêts économiques, financiers, etc., qui ont rien à voir avec des préoccupations environnementales. Bon, c'est évidemment un peu simplifié, mais la critique, c'est de dire que dans le cadre du développement durable, les intérêts économiques et financiers sont toujours, si vous voulez, plus forts que, et mieux ancrés et mieux représentés que les préoccupations environnementales. Et que donc, comme vous essayez de concilier, c'est évidemment tout l'objet des droits de la nature, comme vous essayez de concilier des droits humains contradictoires, ce sont toujours les droits humains les mieux représentés et les plus forts qui vont, qui vont l'emporter. Et c'est tout le piège du développement durable. voyez euh, Alors, c'est vous trouvez ça, c'est la diapo suivante. Alors vous avez, je ne sais pas si vous connaissez Aldo Leopold, bon, qui, a écrit, euh, 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 qui est un écologiste américain euh, qui est euh, euh, vraiment euh, très réputé, très réputé là-bas et, et, et qui dit ça. C'est 1949, donc c'est très ancien, mais il dit ça. Il dit que si on résume en termes économiques, on va toujours sacrifier les préoccupations environnementales au développement. Donc, c'est quelque chose que l'on trouve chez Aldo Léopold. Et puis, alors la diapo suivante, c'est un, un auteur français, Serge Latouche, donc, sur le développement durable. Où il parle de, de concept à Libye. Il dit également, de, 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 à la fin, vous voyez, il dit c'est le piège. C'est le piège, c'est-à-dire que ce développement, ce, ce, la protection des écosystèmes, c'est incompatible avec une logique qui est une logique économique, vous voyez, que vous ne pouvez pas. Et donc, il faut… Encore une fois, ici, une, une rupture. Hein, C'est toutes les thèses de la dipécologie. Il faut rompre avec le modèle tel qu'il tel qu existe. Voilà, j'en arrive, parce que je vois que l'heure tourne. Mais je crois que je suis à peu près bon, cela dit. Oui. D'accord. J'en arrive à la diapo. À la diapo suivante et au, au grand B sur la consécration des, des droits de la nature. Voilà, donc, ce, cette consécration des droits de la nature, encore une fois, mais je vous l'ai déjà dit, hein, c'est l'idée, évidemment, de, de vouloir traduire euh, juridiquement cette thèse éthique de la valeur intrinsèque de la nature. donc, on va chercher à traduire en droit l'axiome selon lequel la nature est dotée d'une valeur juridique. Euh, alors, l'idée, évidemment, c'est que si l'on convient, si convient que l'anthropocentrisme moral donc, qui sépare l'homme de la nature, si l'on convient que, que cet anthropocentrisme moral est dépassé, donc si on adopte une position écocentrée, alors il faut passer d'un droit anthropocentré à un droit écocentré. Et la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la nature se traduit alors juridiquement par la reconnaissance de sa personnalité juridique. Sa personnalité juridique. Et. Ici, les auteurs enfin, qui, qui parlent, enfin, qui travaillent sur la dipécologie, euh, si vous voulez, euh, résonnent en termes de dignité, en fait. Euh, alors c'est la diapositive euh, suivante. Alors bon, c'est des auteurs évidemment, euh, alors, qui sont extrêmement connus en, en droit, mais que vous connaissez peut-être pas. Euh, François Terret et, et, et Gérard Cornu, donc ils sont vraiment, si vous voulez, euh, en matière de droit civil des, des, références, euh, des références absolues et et vous trouvez bien, euh, dans leurs travaux et, et également vous voyez, dans, en matière de droits fondamentaux, qu'on reconnaît la personnalité juridique euh, euh, à, à tout être humain parce que c'est un être humain. C'est-à-dire il n'y a, a pas de raison en droit autre que cette vérité, alors vous voyez, on vous le dit, cette vérité euh, qui est une vérité fondée sur le, alors, le, droit, de, le droit naturel. Mais qui est une vérité biologique, je crois, ouais, fondée sur la nature, sur la biologie. Le droit civil euh, ici euh, euh, oblige à, à reconnaître en fait la, la personnalité juridique de tout être humain. C'est une question de dignité. Vous avez eu derrière une évolution hein, aux États-Unis euh, avec les euh, 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 les anciens esclaves qui n'avaient pas la personnalité juridique et puis qui l'ont acquis parce que c'était des êtres humains. Vous voyez, il y avait vraiment cette, cette question de dignité. En fait, tout être humain a le droit à se voir reconnaître la personnalité juridique. On ne peut pas exclure un être humain, quelles que soient euh, ses, ses caractéristiques, euh, de, de cette catégorie de, de personnes juridiques. Vous voyez, il y a quelque chose ici de... De, de juridique, mais aussi d'éthique. Il y a évidemment la participation à la vie juridique, c'est-à-dire signer des contrats, etc. Un chat ne va pas signer des contrats. Vous voyez bon. <laughs> mais au-delà de ça, il y a aussi, comme je vous l'ai dit, un bébé ne signe pas des contrats non plus et il a une, la personnalité juridique. Ou quelqu'un qui est dans le coma ne va pas signer des contrats, il a la personnalité juridique. La, on retombe sur la question des cas limites. Hein, vous voyez euh, donc, c'est bien… Parce que et c'est très bien d'ailleurs comme ça, hein, tout être humain a le droit en tant qu'être humain à avoir une personnalité juridique. Et donc ici vous allez étendre ça à la nature. Alors toujours pour les mêmes raisons, puisqu'elle a une valeur intrinsèque, elle a une dignité. Et puisqu'elle a une dignité, alors sur, suivant le même processus, il faut lui reconnaître une personnalité, une personnalité juridique. Alors, quels vont être les, les apports de cette de cette révolution juridique Quels vont être les, les apports de cette révolution juridique Le premier rapport, le premier c'est de la reconnaissance, pardon. Le premier rapport le premier apport de la reconnaissance du statut de, de sujet de droit à la nature et de permettre que ses intérêts soient représentés en justice. C'est-à-dire que euh, la nature va pouvoir, euh, alors on dit en français, ester en justice. Alors, ester évidemment, euh, je ne sais pas comment on peut, euh, c'est difficilement compréhensible, mais euh, si vous voulez, euh, agir en justice. La nature peut agir en justice. Alors, vous avez une critique, euh, évidemment, qui dit que la nature, elle va pas prendre ses petites jambes euh, pour aller se présenter en justice devant le juge et faire valoir ses, ses intérêts. Elle va forcément être représentée. Par un être humain. Alors, euh, évidemment, c'est est quelque chose qui, est, qui, euh, qui paraît comme ça à première vue une, être une critique intelligente. En, en réalité, c'est un argument qui est un peu ridicule parce que la plupart, <laughs> la plupart des gens qui agissent en justice agissent via un avocat et certains d'entre eux, encore une fois, n'ont nullement les capacités cognitives de, de se défendre. Vous avez euh, les incapables majeurs. Vous avez les enfants qui ne peuvent pas non plus se défendre avant un certain âge, et vous avez même l'embryon. Hein. L'embryon est une personne juridique. L'embryon, c'est pareil, il va pas, c'est comme la nature, hein, il ne va pas aller devant le tribunal pour représenter ses intérêts devant le juge. Donc évidemment, il faut une représentation humaine, mais en droit, de façon générale, il y a une représentation humaine. Alors vous avez cette idée, euh, c'est la diapo suivante. Euh, à travers l'opinion dissidente du, du juge Douglas. C'est bien parce que c'est la version originale, donc c'est un, un arrêt de la Cour suprême des, des États-Unis, Sierra Club, de, de 1972. Alors, c'est une opinion dissidente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une opinion dissidente Je ne sais pas si vous savez. Euh, la Cour suprême, donc, elle rend des jugements, euh, donc, qui, qui est le, le jugement qui, qui va prévaloir, mais. Les juges qui, ne, qui ont voté contre le jugement, la prise d'opposition qui a été établie, peuvent émettre des opinions dissidentes, c'est-à-dire pour dire eux ce qu'ils en pensent. Ce n'est pas ce qui a été retenu par la, <laughs> par la Cour suprême, mais c'est l'opinion d'un juge de la Cour suprême, qui n'était pas d'accord, du coup, avec, avec l'arrêt rendu par la Cour suprême. Ah ouais, et donc, c'est la, la question standing, c'est ça, se ce ester en justice. Et, et donc, il, il dit bien, vous voyez, qu'on euh, ne voit pas pourquoi. Euh, euh, la nature pourrait pas, euh, si vous voulez, se euh, rester en justice elle-même. Alors évidemment, avec, avec un, un avocat, il, il dit notamment que voyez, les entreprises, on a reconnu la personnalité juridique d'une entreprise, par exemple. Une entreprise peut rester en justice, mais c'est pareil. Alors on parle de personne morale. Pourquoi une personne morale Parce qu'on va vous dire, oui, mais la personne morale, c'est une association de personnes physiques, c'est-à-dire c'est une association euh, d'êtres humains, donc en fait la personnalité morale. Euh, la personnalité morale, c'est juste une espèce de continuation <laughs> de ce qu'est une personne physique, c'est une association de personnes physiques. Oui et non, parce que les intérêts de l'entreprise ne sont pas forcément les mêmes que les intérêts de, 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 des personnes physiques qui composent cette entreprise. Hein. Vous, pouvez, vous pouvez avoir une espèce de dichotomie, une déco, une dichotomie comme ça. Et puis, euh, la personnalité morale a été extrêmement et très vivement contestée en, en droit. Hein. Vous avez un, un auteur très célèbre, que vous ne devez pas connaître, mais qui est Léon Duguy, qui est vraiment un des pères du, du droit public en France, euh, qui critiquait en disant qu'il n'avait jamais déjeuné avec une personne morale. C'était un espèce de trait d'esprit pour dire que ça n'existait pas, justement, les personnes morales. Et donc, on pourrait créer, c'est ça l'idée, hein, c'est créer, pas, pas assimiler la nature à une personne physique, hein, personne ne dit ça, mais créer une nouvelle catégorie de, de personnes, de personnalités juridiques. Donc, il y aurait les personnes physiques, les personnes morales, et puis la nature mais pas, pas forcément, vous voyez, assimiler purement et simplement la nature à, à un être humain. Alors dans l'affaire, c'est quand même assez intéressant parce que dans cette affaire Sierra Club contre, contre Morton, c'était Walt Disney qui voulait raser une forêt de séquoias centenaires pour faire un parc d'attraction, pour faire un parc d'attractions, et donc la forêt n'appartenant à personne. Personne ne représentait les intérêts de la forêt, en fait, c'était tout le problème aux États-Unis. Alors finalement, le parc d'attractions, pour la petite histoire, ne s'est pas fait parce qu'après, vous avez eu des manifestations. Ça a pris une ampleur très importante dans la société américaine, et donc Walt Disney a fait marche arrière. Mais euh euh, vous avez toute cette question après qui a été reprise par les universitaires américains avec euh, les arbres peuvent-ils plaider en justice Vous avez ce, ce genre de livre. Ouais, Est-ce qu'un arbre... Parce que c'était une forêt de séquoia. Euh, Est-ce qu'un arbre peut plaider en justice Parce que sinon, personne ne défend la, la forêt. Ouais. Si c'est la propriété de personne, c'est est pareil. Et, qu est, et que ce n'est pas un espace protégé, vous pouvez bien faire ce que vous voulez, même si c'est une forêt de séquoia centenaire hein, pour faire un parc d'attractions. Ouais. Bon, ça a été admis en justice, mais finalement, ça ne s'est pas fait pour... Pour d'autres raisons. Et alors, le second apport, c'est de permettre que les intérêts alors de la nature en tant que personne juridique soient mieux pris en, en considération. Et là, l'idée, donc c'est ce de permettre de prendre en considération les droits de la nature contre des droits humains. voyez donc c'est plus d'articuler des droits humains contraires, mais c'est d'articuler les droits de la nature d'un côté avec les droits des humains de l'autre. Alors après évidemment, tout est question de bonne articulation. Il ne s'agit pas évidemment de donner toujours raison à la nature et jamais raison à l'homme. Ça, ça n'aurait aucun sens et ça ne fonctionne d'ailleurs jamais comme ça. C'est-à-dire il y a toujours une espèce d'articulation. En droit, c'est ça. Hein, c'est le droit de propriété de quelqu'un contre le droit d'entreprendre de, de quelqu'un d'autre. Mais c'est toujours une articulation de droits. Donc ici, il faudrait articuler. Mais ça, on n'articulerait plus des intérêts humains contradictoires, mais les droits de la nature d'un côté avec des droits humains, humains de l'autre. Euh, voilà. Et puis alors, vous aurez évidemment aussi une, 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 une espèce de... Euh, sur le plan symbolique, quelque chose de très fort, c'est-à-dire vous aurez un discours qui va se créer comme en, un discours s'est créé autour des droits fondamentaux, voyez, autour des droits de l'homme qui ne sont pas toujours respectés, mais vous avez un, un discours qui se met en place et donc évidemment la consécration des droits de la nature euh, d'un point de vue symbolique, ça serait extrêmement, extrêmement fort. Et alors j'en termine avec deux exemples quand même, c'est mes deux dernières diapositives. Ah bon, alors ça c'est le euh le fait donc de cette articulation des droits, mais encore après, du coup, voilà, vous avez la constitution de l'Équateur, qui vous donne un, un exemple de consécration des, des droits de la nature. Vous voyez, on vous dit bien, article 10, hein, la nature est un sujet de droit reconnu par la constitution équatorienne. Et alors après, l'article 71 est intéressant parce que, vous voyez... <laughs> La constitution équatorienne parle de nature ou pachamama. Pachamama, c'est vraiment la spiritualité animiste des populations autochtones d'Équateur. Et la nature, ça parle plutôt aux populations d'origine européenne. C'est pour ça que la, la, ça, c'est très intéressant. Ça a été étudié d'ailleurs par un, un collègue juriste, euh, cet article. Vous voyez, nature hors pachamama, ou pachamama, c'est vraiment extrêmement révélateur des. Des, des, des fondements philosophiques. Vous voyez. La nature, c'est un concept plutôt scientifique. La pachamama, c'est vraiment les spiritualités. Ouais, et donc, alors, à quoi est-ce qu'elle a droit Évidemment, elle n'a pas droit c'est des droits qui sont assez, assez restreints, mais elle a droit à, à l'existence, à la maintenance, à la régénération de ses cycles, de ses structures, de ses fonctions et de ses processus évolutifs. Euh, elle a droit aussi à la, à la restauration. Et c'est souvent ce que l'on trouve, hein. c'est-à-dire c'est pas évidemment, elle n'a pas autant de droits que peut avoir de droits un être humain, ça, ça n'aurait aucun sens, mais ouais, elle a, elle a le droit à la maintenance de ses euh, de ses fonctions écologiques, en fait. la maintenance de ses fonctions écologiques, et elle a le droit aussi à la restauration euh, restauration naturelle. Et puis alors vous avez un autre euh, un autre exemple, c'est vraiment la dernière diapositive <laughs> cette fois. Donc c'est l'État de, de Colima au Mexique, 2019. Donc c'est beaucoup plus, beaucoup plus récent. Et c'est pareil. Hein, la, la, alors c'est la constitution de l'État de Colima qui est un État fédéré au sein, au sein du Mexique qui reconnaît encore ici le, les droits de la nature. Alors, pourquoi c'est intéressant Parce que c'est euh, une construction qui est beaucoup plus scientifique. Vous voyez, le, la façon de présenter les choses est, est beaucoup plus scientifique. Et donc, la nature, ici, on vous dit que c'est tous les, les écosystèmes et, et les espèces. Et que donc, ce sont aussi des, des, des sujets de droit dont l'existence doit être respectée, etc. Enfin, vous pouvez lire ce que, ce que dit le, euh, la constitution donc, de l'État fédéré de, de Colima au, au Mexique. Euh, voilà ce que je voulais. Euh vous dire. <laughs> J'espère que, que ça a été assez clair.